Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit appareil sympa qui est le Canon Canonette QL19 G3 QL. Alors QL veut dire Quick Load. Souvent, voilà, il y a un appareil qui est un peu culte, c'est le QL17. Bon, celui-là, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est l'objectif qui est un peu moins rapide puisque c'est un 45 mm. Qui ouvre à 1.9 et il me semble que le QL17 ouvre à 1.7, d'où le nom 19 et 17. Donc le 1.7 est bien sûr plus lumineux, mais bon. Du coup, le QL19 se trouve à beaucoup moins cher que le QL17. Et bah voilà, c'est à peu près les mêmes appareils. Et c'est un appareil vraiment sympa parce qu'il est vraiment très compact. C'est un petit télémétrique. Voilà, donc avec les deux ouvertures. Alors télémétrique avec... le réglage de la mise au point qui se fait ici sur le avec cette petite bague là qui est facile d'accès, donc ça c'est pas mal. On est bien positionné, on met pas les grosses mains, les gros doigts devant, donc c'est bien. Les réglages se font. Alors on a une possibilité de le mettre en mode automatique et de régler uniquement la vitesse. Donc priorité vitesse, hein, pour un priorité vitesse. On règle la sensibilité ici avec une petite molette qui dit la sensibilité du film. Donc là, je suis sur 100 hasard parce que ben, j'ai fait une bobine de T-Max 100. Voilà. On a un petit check de batterie ici qui permet de voir dans le viseur si la batterie est bonne. La petite batterie se met dans la petite trappe ici, donc c'est le format 625, voilà, vous voyez la petite trappe avec la petite pile, on voit le format habituel. Que dire d'autre? Bah, très simple à utiliser, hein. Voilà, on a les indications dans le viseur qui nous donnent à quelle ouverture on va être, et puis une recommandation d'ouverture pour une zone verte qui est généralement, il recommande l'ouverture entre 5, 6 et 8, ce qui est pas mal, ce qui est une bonne ouverture pour avoir une exposition correcte, enfin piqué correct, on va dire. Et voilà, alors le petit réglage de la vitesse, c'est un peu ça qui est le moi je trouve que c'est un peu raide, voilà, sur le mien, donc c'est pas très intuitif, mais généralement, bon, dans les conditions de lumière, quand on est réglé, que les conditions de lumière changent pas trop, ben, une fois qu'on l'a réglé une fois, ben, on peut vraiment shooter assez rapidement sans trop se prendre la tête, puisque voilà, même s'il y a des petites variations de lumière très légères avec la vitesse sélectionnée, ben, les variations de lumière font qu'il va adapter l'ouverture du diaphragme à quelque chose qui va être soit plus ouvert, soit plus fermé, et ça marche plutôt pas mal. Le bruit est assez discret. Alors, je pense que voilà. Vraiment, pour la photographie de rue, c'est plutôt sympa. Ça se passe assez bien. Ça fait pas de. C'est vraiment discret. Il y a une position pour le flash. Bon, j'ai jamais trop utilisé. J'ai jamais utilisé avec le flash parce que déjà il est petit et les flashs. Il y a des petits flashs, mais celui que j'ai ne fonctionne pas. Voilà. Alors, le quick load. Le système de quick load, qui est pour la raison pour laquelle cet appareil s'appelle QL. Ben c'est un système comme ça qui vient plaquer le film. Donc pour ceux qui ont des problèmes à mettre leur film, c'est assez pratique, on rentre le film ici, on l'avance un petit peu, on vient plaquer et bah, ça prend très très bien. Et surtout quand on avance, si le film est bien pris, on voit dans cette petite fenêtre les traits rouges bouger. Et on voit très rapidement si ça bouge aussi. Donc voilà, si on peut s'apercevoir si on a correctement... il y a une petite... protection aussi pour éviter de shooter quand la lumière est pas bonne, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, un petit appareil sympa. Donc j'ai fait une petite pellicule, on va voir ce que ça donne. Et puis je vous montre
je vais la développer de ce pas, et dès que c'est développé, ben, je rajoute les photos à suivre.